Envie de faire le tour du monde? Alors approchez-vous! L'instant suivant, nous allons visiter quelques pays pour goûter les aliments locaux qu'ils mangent dans leur vie quotidienne. Bon voyage! Sarah, je meurs de faim! On n'a absolument rien à la maison. Mais je peux résoudre ce problème. Que veux-tu pour tout régaler? Des chips tortilla, je veux bien! À ton souhait! Bonjour mesdemoiselles. Je suis venue ici aujourd'hui pour vous faire découvrir la vraie cuisine mexicaine. Oh, et il y a mes chips. Je savais que t'en avais envie. J'ai hâte de les dévorer. J'en veux aussi, tu sais. Oh la vache! Comment vous êtes capable de les gâcher autant que plus personne peut les manger? Il est temps de suivre une leçon sur la bonne façon de consommer les aliments. Très bien alors, on commence. La Chine? Quelle surprise! Ok, voyons ce qu'on a là. Waouh! Quelle grosse portion! C'est un bon début. Elle ressemble à des raviolis chinois. J'ai raison, non? Oh, les manger avec les baguettes n'est pas une tâche facile. Viens ici, ma petite boulette. C'est fini, on ne décompte plus. C'est si bon. Vraiment? Oh oui, essaye toi-même. Non, merci, je pense que je vais passer. Eh bien, je dirais pas non. Merci, Michel. Eh bien, c'était incroyable. Je peux avoir un peu de plus? Je comprends pas ce que vous trouvez de si bon dans des bouts de la pâte frite et de la viande. Mesdames, j'ai notre prochain pays et ce sont les États-Unis. Passez vos commandes. Je suis sûre que ça sera un truc génial. Un beignet? Trop bien! Je partage complètement votre excitation. Heureusement que tout est à moi. Ben, qu'est-ce que t'as fait? Quoi? J'étais censée partager ce bonheur? Oh, désolé les amis, je n'ai même pas pensé à ça. Eh bien, je peux vous assurer toutes les deux que c'était délicieux. Ce drapeau? C'est quel pays? T'es sérieux? C'est l'Inde! Ça va être super intéressant! Il n'y a qu'un seul moyen pour le découvrir. Honnêtement, je n'ai aucune idée ce que ça peut être. Sarah, je te laisse le droit de goûter en première. Ok, tout d'abord, ça s'appelle le curry, Ben. Et deuxièmement, je suis sûre que tu voudras être le premier à le goûter, Ben. Oh non. Mais je sais que Michel adore les plats indiens. Alors je vais pas lui créer d'obstacle entre elle et l'assiette. Hey, ça me va bien. Où est ma grosse cuillère? Oh oh! Je pense qu'il y a peut-être un peu trop d'épices dans ce bol. À mon goût. Tu as raison, c'est brûlant. Attention, Belgique au jeu. Le pays des grands desserts. J'espère qu'on va nous servir quelque chose de sucré. Belgique, ne me déçois pas. Une gaufre? Ok. Je dois essayer ça. Oh, et moi, je veux un peu, moi aussi. Arrêtez-vous toutes les deux. Cela va me finir mal. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, ce dessert ressemble plus à ce curry qu'un truc très délicieux. Bien, Sarah, tu le voulais. Tu peux t'en servir. Oh non, 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 ce plat est à toi, Michel. Mes sens aiguisés m'ont dit que la prochaine étape sera
La cuisine italienne, fantastique. Les filles, préparez-vous pour un chef-d'œuvre culinaire. Des pâtes, ça sent merveilleusement bien. Oh ouais, et cette odeur a réveillé mon appétit. Je ne peux plus réfléchir. Tout ce que je dois faire, c'est d'enrouler sur cette fourchette des tonnes de spaghettis. C'est vraiment délicieux. Oubliez cette fourchette, je n'ai pas besoin. Le spectacle est un peu rebutant, mais je suis quand même jalouse de ton festin, Ben. Quel dommage que je l'ai fini si vite. Waouh, Ben, est-ce que tu es en train de te représenter en cochon italien? C'est l'heure de la cuisine allemande. Je sais qu'ils sont réputés pour leur nourriture très copieuse, alors qu'avons-nous? Oh, des saucisses! Je ne vois pas pourquoi tu es si excitée. Parce que ce qui passionne tant, elles sont pleines de gras. Ouais, c'est pas exactement un plat qu'on peut trouver dans un menu diétique. Quoi qu'il en soit, ça m'intéresse toujours d'en goûter une. Qui s'endort père, ma chère Sarah? La vache, c'était bon. Les Allemands savent très bien de la bonne bouffe. Pour finir notre défi, nous avons la Turquie. On connaît la pie, mais pas la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est le kebab. Je ne savais pas que ce plat venait de Turquie. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous pensez? Et s'il y avait une sorte de piège? Ça sent bien, mais qu'en est-il pour le goût? Tout ce que j'ai eu... C'est une feuille de laitue. Pas vraiment délicieux. C'est à toi, Ben. Cool. Je ne dis jamais non à la nourriture gratuite. Michel, tu as juste pris une bouchée trop petite et tu n'as pas eu les bonnes choses. Oh la vache, si vous saviez ce que vous ratez. Ben, y a-t-il quelque chose dans ce monde que tu ne serais pas capable de manger? Aujourd'hui, c'était un défi super bon au point de se lécher les doigts. Il m'a rempli de bouffe et d'énergie. Maintenant, je suis prêt à danser toute la nuit. Oh, attends, j'ai l'impression de manquer quelque chose d'important. Oh, Ben, j'adore vraiment ton sombrero. Désolée, mais je pense pas être prête à te le rendre. Comment je suis censée m'amuser sans mon chapeau? Oh, voilà un nouveau. Ça marche. Oh, Ben, j'aime ce jaune vif. Hey, arrête de me le voler. Eh bien, c'est impoli. Le tournage de la vidéo d'aujourd'hui était délicieusement amusant. Et ce n'est pas grave que chaque prise n'a pas été un joyau du premier coup. Cela signifie simplement que nous avons plus de moments amusants à partager avec vous pendant que vous appuyez sur ce bouton « J'aime ».